Yo tout le monde, CSD, j'espère que vous allez bien, on est parti pour l'épisode 2 de la carrière avec le Real Betis Séville. On est parti les petits potes, et bien pour la deuxième vidéo de cette carrière qui sort tous les mercredis, qui remplace la carrière avec Manchester United, vu que je me suis fait virer avec Manchester. Aujourd'hui on est parti pour du mercato, j'ai lu tous vos commentaires, je les ai tous lus, vous avez été très nombreux à commenter, vraiment je sais plus 100 ou 200 messages, enfin vraiment énormément de messages à lire, pas mal de commentaires très intéressants pour mon mercato, de conseils, d'avis, de suggestions, donc c'était vraiment super intéressant, surtout que j'ai eu pas mal de retours, je trouve que beaucoup d'entre vous étaient, enfin même j'ai pas vu de commentaires négatifs sur la carrière, tout le monde était très heureux du projet qui est très intéressant, avec Nabil Fekir, avec Canales, on l'avait vu marquer un but incroyable la semaine dernière, donc je vous invite bien sûr à aller voir la vidéo de la semaine dernière, vu qu'on avait fait un petit gameplay, qu'on avait gagné 3-1 avec un but incroyable que je vous invite à aller voir parce qu'il était vraiment magistral, l'un des plus beaux buts que j'ai mis sur ce FIFA 22. Donc je vous ai posé pas mal de questions. Déjà la première remarque que vous m'avez tous fait en nombre, elle porte sur un joueur et sur un joueur à changer de poste, c'est tout simplement le petit Edgar, voilà, le petit Edgar, vous m'avez tous dit, en vrai SD, tu devrais le passer défenseur central, c'est comme ça, ça t'économise des sous, et t'as pas besoin d'acheter un défenseur central. Voilà, il faut savoir qu'Edgar, il a que 24 ans, donc il est encore jeune, il a des bonnes stats de physique et de défense, et c'est un joueur au niveau du gabarit qui fait 1m93, donc tu devrais, en plus joueur solide, donc tu devrais le passer en défenseur central. Donc voilà, ça c'est la première chose, première chose que je fais, je le passe en défenseur central, ce qui me permettra d'avoir du coup 4 défenseurs de niveau intéressant. On m'a dit hein, que Victor Ruiz et que German Petzela, c'était des joueurs qui allaient sûrement régresser, qui allaient peut-être pas être foufou. J'entends qu'ils sont en plus très lents, j'entends tout à fait, mais on n'aura pas, je pense, assez de budget pour aussi recruter un défenseur central. Donc j'ai mis quelques joueurs en défense centrale sur ma liste de transfert, mais on ne pourra pas donner suite, je pense, dans ce mercato à ce poste de défenseur central. Malgré ça, j'ai mis des joueurs sur ma liste pour d'autres mercato éventuellement. On a notamment César Montes, voilà, qui est un joueur de 24 ans, mexicain, 1m91. Un mexicain qui viendrait en Espagne, ça me semble très réaliste vu qu'il y en a pas mal qui signent. Surtout que voilà, ce serait une progression pour lui dans sa carrière. On a Luis Felipe qui, je crois, est en fin de contrat à la fin de saison. Donc lui aussi, ça m'intéresserait. Un Brésilien, pareil, ce serait assez réaliste. Surtout que lui, c'est un super joueur. On a un Espagnol, Jorge Meré, qui est très intéressant, qui est à Cologne. Et enfin on a César Azpilicueta que j'ai aussi mis dans ma liste, pourquoi pas le récupérer, Azpilicueta, voilà, qui est un joueur extrêmement fiable, on le connaît tous, et c'est un joueur qui peut-être aurait envie à terme de revenir en Espagne, notamment dans un club comme le Betis, ce serait pas du tout illogique, bien au contraire. Voilà, donc ça c'est pour les défenseurs centrales, mais ça ne m'intéresse pas à terme tout de suite. Ce qui m'intéresse et la priorité du mercato, c'est un milieu défensif et un milieu droit. Et je pense avoir trouvé mon milieu droit déjà. Voilà, c'est grâce à vos commentaires que j'ai trouvé mon milieu droit. Maintenant, j'ai encore pas mal de questionnements sur le milieu défensif parce que vous m'avez envoyé plein de joueurs. Et vraiment plein de joueurs. Donc on a vraiment une énorme base pour travailler. On a vraiment plein de possibilités. On a Jordan Veretout qui, voilà, qui joue à la Roma. Donc il y a pas mal de joueurs de la Roma qui m'ont été proposés vu que la Roma dans la vraie vie est en difficulté. Et je sais qu'ils essayent un peu de dégraisser, parce qu'ils ont beaucoup de joueurs à la Roma. Donc on m'a proposé le français Jordan Veretout, voilà, qui est un joueur super complet, 28 ans, qui est au sommet de sa carrière en ce moment. On a Luis Milla, 26 ans, un joueur très intéressant, qui a du potentiel, qui est assez bon aussi, qui joue en Espagne, à Grenade, et c'est un joueur qui pourrait venir, qui serait plutôt réaliste de venir, vu qu'il viendrait dans un club plus fort, donc dans un club... lui ce serait une progression pour le joueur, et il y a pas mal de joueurs qui sont dans cet objectif là de progression dans leur carrière. Voilà, Luis Milla, Milla, je sais pas comment on prononce Milla, je pense, lui ce serait intéressant, enfin lui je pense qu'il serait intéressé pour venir. Après c'est pas un milieu défensif très très défensif finalement, si je puis dire ainsi, c'est un joueur qui est plus enfin on le verra après, mais c'est plus un joueur petit gabarit capable, très agressif, mais qui est aussi créateur plutôt. On a Edu Exposito, qui est aussi un petit milieu défensif de 24 ans, que vous connaissez sûrement, qui joue du côté du SD Bar. Lui aussi un petit gabarit réactif, très bon dans la passe, très bon dans la conduite de balle. Après voilà, ça c'est le profil espagnol, hein, les milieux défensifs en Espagne, c'est des joueurs qui sont créatifs. Donc c'est le cas également de Edu Exposito. On a ensuite Mourou Arambari, 25 ans, uruguayen de Retafe. Donc encore une fois, ce serait une progression pour lui. Là, on a un peu plus d'informations quant à son profil. Là, c'est un joueur qui est beaucoup plus fort défensivement. C'est un petit peu comme N'Golo Kanté, hein, si je peux faire la comparaison. Voilà un joueur qui va agresser. Il a un rapport taille-poids quand même assez intéressant. C'est un joueur qui est pas du tout léger.
Il a, par rapport à sa taille, il est costaud quand même. Voilà, donc pour les milieux défensifs, il y en a d'autres au poste de MC. On va aller les voir de suite. Il y a Gonçalo Villar qu'on m'a proposé aussi, qui est en difficulté du côté de la Roma. Pourquoi pas le rapatrier, un espagnol en plus de ça. Ça me plairait. En tout cas, je trouve que c'est une très bonne idée. On a Seko Fofana. Bon, ça, Seko Fofana, ce serait absolument exceptionnel de le faire venir. C'est un joueur qui est excellent avec Lens. C'est l'un des meilleurs joueurs lensois. Il est vraiment en train de faire une saison exceptionnelle à Lens. Donc le faire venir, ce serait forcément une progression. Là, vous inquiétez pas que dans la dimension physique, il n'y aurait aucun problème parce que c'est un joueur qui répète les efforts, un joueur qui est puissant, un joueur super intéressant. Maintenant, je pense qu'il va coûter quand même assez cher. On a Enzo Fernandez, un joueur qui joue du côté de River Plate, un Argentin qui pourrait venir, qui serait assez intéressant lui aussi. 1m80, bon rapport taille-poids, bonne contribution offensive-défensive. Voilà, puis c'est un joueur qui fait des tacles glissés, quoi. C'est un vrai tacleur, agressif, joueur très intéressant pour le coup. Voilà, donc ça, c'est le genre de profil que j'ai. Donc, j'ai pas encore pris de décision par rapport à ces joueurs-là, surtout que je pense faire l'achat de mon milieu droit avant l'achat de mon milieu défensif, donc ça dépendrait aussi de notre budget. Le milieu droit, donc on m'a proposé pas mal de joueurs, on m'a proposé Younous Moussa, un joueur de Valence, un états-unien, oui ça se dit, c'est même le terme correct, bref, un américain pour faire plus vague. Qui joue du côté de Valence, qui a un gros potentiel, qui va très très vite, hein. C'est un joueur extrêmement rapide, voilà, dribbleur rapide, qui a aussi des bonnes qualités techniques, et bon, c'est un jeune crack, voilà, est-ce que c'est réaliste, est-ce que Valence voudrait laisser partir son jeune, je ne pense pas. On a le petit De Frutos, qui est super intéressant, c'est un profil que j'aime beaucoup, joueur rapide, agile, technique, avec une bonne passe aussi, avec voilà, quelques notes de dribble très très correctes, les effets c'est pas mal aussi, bonne conduite de balle, un vrai milieu droit espagnol capable de jouer des deux côtés. Moi j'ai un petit coup de cœur, je vous l'avoue, pour ce petit De Frutos qui joue à Levante, donc ce serait une progression pour lui à 24 ans de signer au Betis Séville. Bon, on a du Hakim Ziyech qui m'a été mis sur la liste de transfert, mais ça ce serait plus une opportunité plus tard, parce que là ça va coûter beaucoup trop cher. On a aussi du Adama Traoré qui pourrait être intéressant en espagnol, de le faire venir chez nous, je pense qu'en plus ce serait pas fort foncièrement irréaliste non plus, même si je pense que dans la vraie vie, vu sa vitesse, il va être valorisé quand même assez cher, même si c'est un joueur qui, on le sait, a une finition qui est quand même pas terrible, hein. Même techniquement c'est un joueur qui est un peu limité par moment, c'est surtout un joueur très rapide, mais ça peut être intéressant. Et ensuite on m'a proposé quelques buteurs, Evan Nilsson, qu'on m'avait proposé, un Brésilien de Porto, voilà, ça pourrait être intéressant, mais c'est vrai que je ne pense pas recruter de buteur, ou en tout cas pas tout de suite. Et Julian Alvarez, que j'ai trouvé super intéressant. Si je dois acheter un buteur, je pense que ce sera le petit Julian Alvarez, surtout qu'il a, il est à plus qu'un an de contrat, donc ça peut être vraiment ma priorité en cas de recrue en poste d'attaquant. Il n'y a pas de souci, ce serait sur lui que je me positionnerai, je pense. Voilà, donc on va un petit peu attendre que les rapports arrivent, je pense, et puis on va se positionner sur De Frutos, qui va quand même me coûter déjà énormément d'argent. Surtout que j'ai 25 millions, on va devoir sûrement vendre d'autres joueurs, hein, je vous le dis. Hein. Parce que là, on a Yacine Fekir, on a Camarazza, Juan Mir, Robles, Montoya. Je sais pas s'il faudra peut-être pas en vendre d'autres à terme. Bref, on va faire un petit match, les gars. Donc, les matchs de pré-saison qu'on va disputer. Sachez juste que je vais juste vous montrer les buts des matchs amicaux pour que la vidéo soit un peu plus rapide. Si vous aimez, je compte sur vous pour mettre les pouces bleus, les commentaires, pour me conseiller aussi pour le poste de milieu défensif. Et d'attendre la fin de la vidéo avant de commenter pour pas que voilà, vous dites des infos qui s'avèrent pas pertinente à la fin de la vidéo, vu que j'aurais peut-être fait des choses d'ici là. Et voilà, vous abonnez à la chaîne, me suivez sur les réseaux, Twitter, Insta, likez la vidéo, ce serait bien d'avoir 1000 pouces bleus, hein. Je vous ai été très nombreux à liker l'épisode 1, donc soyez au moins 1000 pour le référencement pour l'épisode 2, ce serait très cool pour me soutenir. On y va pour l'entrée des joueurs et ce match amical face à Watford. Allez, c'est parti. C'est parti les petits gars. On a le droit à un petit match de préparation Watford-Betis. On a gagné 3 hein, le premier match de notre préparation. Donc là, ce serait bien de réitérer. J'ai mis la même équipe. Hein. On testera des joueurs, vous inquiétez pas, au cours du match. Mais là, on est en plein test de l'effectif avec les potentiels titulaires dans un premier temps. Oh, c'est bien joué. Oh, il est beau le premier but du match. C'est Joaquin hein, qui vient inscrire ce premier but. Voilà, parfait, notre capitaine directement qui montre la voie, le Betis Séville qui marque enfin ce premier but. Bon, c'est totalement logique, hein. Joaquin avait déjà fait une grosse frappe dans le match,
qui a dépassé à quelques centimètres. Une grosse frappe à 25 mètres, hein, vraiment. Là, j'ai des joueurs de loin qui peuvent être très intéressants. Et là, c'est Borja Iglesias qui fait une déviation phénoménale pour Joaquin, notre capitaine, qui croise derrière sans aucun problème. Le mal est fait. 1-0, mais ce petit Joaquin, à son âge, vraiment, je trouve qu'il est super intéressant dans le jeu. Il n'y a pas de problème et on est en train vraiment de faire un super match. Oh là là, mais Canales! Oh là là, le bijou de Canales! Non mais Canales, il va m'envoyer que des buts comme ça ou quoi? C'est magnifique! Non mais là, la Canales, il faudra en parler hein, de ce joueur. Il est trop fort, notre numéro 10, qui vient mettre un nouveau but dans cette phase de préparation. Oh là là, c'est plutôt bien joué, on est patient. On lui donne et il enroule une galette. Il y a la fève avec, hein, je vous le dis. Hein, là, vous avez la fève dans la bouche, hein, tellement c'est beau. Siralta qui est en retard. Et c'est enveloppé à la perfection comme il faut. 2-0 pour le Betis Séville avec un nouveau cadeau caviar de Canales en finesse. Enfin, c'est superbe. Allez, fin du match, victoire, 2-0. Les petits gars, une deuxième mi-temps où j'ai fait rentrer dès le début de la deuxième mi-temps tous les remplaçants que j'ai pu faire rentrer. On a vu notamment une très bonne partie de Lainez, il a fait une deuxième mi-temps excellente, je l'ai fait rentrer en numéro 10 hein. De toute façon je pense Lainez, si je dois le faire jouer, ce serait plus sur le cœur du jeu, c'est plus là où il va être important de toucher des ballons et je pense qu'il aura cette capacité à force de distribuer puis avec les dribbles aussi axiales ça va permettre de peut-être créer de l'incertitude dans les défenses adverses. Il m'a fait une belle rentrée honnêtement, avec des bons appels aussi, donc rentrée encourageante. Voilà, donc c'est très bien, on va faire le petit entraînement. De toute façon, je pense que le mercato, donc on n'a pas vraiment les valeurs des joueurs. On va pas trop se positionner sur des joueurs. Je pense que là, on va faire l'entraînement que je dois effectuer. On joue le match contre Strasbourg avec encore une fois seulement les buts. Et ensuite, on va vraiment attaquer le mercato. Et c'est parti, les petits gars, pour la suite de nos matchs de préparation à cette saison. Le Betis Séville au Stade Olympique qui va affronter Strasbourg. Voilà, c'est de la prépa, on affronte vraiment tout type d'équipe. Là, un petit club de Ligue 1 qui, dans la vraie vie, fait pas une mauvaise saison. Hein. Strasbourg qui va se maintenir sans aucun problème. Comme souvent, j'ai envie de vous dire, avec je le dis chaque année, mais avec l'équipe qu'ils ont, c'est normal. Avec l'attaque qu'ils ont, c'est normal. Donc voilà, on va voir ce que ça vaut et je vous retrouve pour les buts du match. Oh, quelle action de fou! Mais quelle action phénoménale avec le but de la tête de Nabil Fekir! Comme quoi, tout est possible, mais l'action, elle est phénoménale! Waouh! C'était un bijou! C'est magnifique! Ah non, mais là, c'est un bijou d'action, hein, franchement! Je veux bien qu'on rigole, mais il y a des limites! Hein. Vraiment, là, il faut en parler de cette action incroyable! Ah là, on voit le joueur espagnol, hein! Avec ce petit ballon de Théo pour Fekir qui va la placer comme il faut. Enfin, c'est une action de hot volée. Et là, il vient de tromper Kawashima. Ça va vite hein, là pour le gardien. Ça va de gauche, droite, axe. C'est une action magnifique. Voilà, tout part de Carvalho. Canales en une touche qui élimine le pressing. Borja Iglesias qui lui rend une touche. Canales, deux touches qui la redonne sur le côté de Théo. Théo, deux touches qui la donne à Fekir. Qui va la donner, enfin qui va la mettre de la tête. C'est parfaitement joué. Hein. Là vraiment. Incroyable. 1-0. Et une minute de temps additionnel. Et ouais, le deuxième but de Christian Théo. Sur une récupération super entre le Betis qui double la mise. En plus de ça, on punit l'adversaire sur chacune de leurs erreurs. Parce que depuis le début du match, on va pas se mentir, c'était plutôt Strasbourg qui nous avait mis en grosse difficulté avec Ludovic Ajor qui avait eu deux grosses situations. Là, c'est mal dégagé ce ballon de Kawashima. Le duel gagné très rapidement. Et ensuite, en une touche, Canales qui la donne à Théo. Canales, il est intelligent après, hein, on le sait. Voilà, j'aimerais bien avoir une équipe qui brille par son intelligence. Avec des Canales, des Joaquin, des Fekir, des joueurs comme ça. Oui, ça va briller par son intelligence. Théo qui a l'air aussi très malin, qui fait un but, une passe D. On est bien lancé dans cette préparation. On fait des très bons matchs et j'en suis fort heureux parce que là, ça se passe très bien. Et le rouge pour Anthony Cassie. Bon, je vous le montre quand même. C'est le rouge, Anthony Cassie. Qu'on connaît bien, qu'on avait beaucoup utilisé dans l'une des carrefis rouges. Là, qui craque, voilà, il se fait avoir par la feinte de Joaquin. Et il est exclu, voilà. Oh là, Sabali qui a pas jamais. Sabali s'est bien effacé du duel. Allez, 2-0, il reste une mi-temps à jouer. On a fait bien sûr tourner hein, à la mi-temps.
Allez, fin du match, victoire 2-0. Ouais, une deuxième mi-temps un peu plus calme, où il s'est pas passé grand-chose. On aura quand même vu encore une fois des occasions de notre côté. On a fait un bon match, hein, de toute façon. Joaquin, encore une fois, en deuxième mi-temps, qui m'a fait des choses vraiment impressionnantes. À son âge, faire ce qu'il fait, c'est énorme. Joaquin, si je veux recruter De Fritos et que De Fritos veut jouer, il va falloir qu'il soit très très fort, je vous le dis, De Fritos. Hein. Camarazza qui reçoit une offre qu'on va accepter. Carvalho qui reçoit une offre. Bon, Carvalho, je suis pas non plus totalement opposé à son départ. Maintenant, pas à 16 millions, quoi. Pas du tout à 16 millions. Pas du tout à 16 millions. Pas du tout, au moins 20. 20, si c'est en dessous de 20, il part pas. Et même, j'aimerais plutôt autour des 25, hein, en soi. Donc, on va demander. On va essayer. 17. Je suis prêt à baisser un peu. Baisser un peu. À 24. Parce que bon, Carvalho, c'est pas non plus le joueur... Il est intéressant, soit il est pas mauvais, c'est pas un mauvais joueur, mais c'est pas, voilà, c'est pas le joueur indispensable pour mon équipe non plus. Nous concernant cette attention, mais 1 est trop élevé, voilà. Donc au moins ils sont d'accord pour ne pas vouloir le vendre. Ok, excusez-moi, j'ai dû faire une petite coupure. Je me sers un verre de Coca avec vous. Voilà, Coca Zéro évidemment, hein, sportif. Bon, vous allez me dire oui, mais dans le Coca il y a de l'aspartame. Oui, je sais, merci. Il m'apprend rien, frère. 23 ans m'apprend plus grand chose à moi, ok. Si, si, plein de choses à apprendre. Allez, bon, bref. Ok, donc sachez que le petit De Fritos, déjà, j'ai sa valeur. 22 millions, mais valorisé très très cher. De Fritos, c'est extrêmement cher. Trop cher peut-être même, hein, au vu du joueur. Là où Moussa, on peut l'avoir pour 9,2 millions, on le sait au moins. Certains joueurs qui m'intéressent ici, là, Mila, tout ça, on commence un peu à avoir les tendances. On sait que Arambari, c'est 30 millions. Hein, et encore 30 millions, c'est bien si tu l'as à ce prix-là. Donc, c'est encore une fois extrêmement cher. Ouais, les joueurs sont valorisés super cher en tout cas. Ça, c'est pas. Fofana, je me demande à combien il va être valorisé. Mais là, on va attendre. Hein. Je vous le dis, on va jouer la montre. Hein, parce que là, c'est compliqué. Hein, les sous qu'on me demande. On me demande vraiment des. Enfin, ils veulent de base des sommes incroyables. Montoya, 5 millions, on va accepter l'offre. Ça, c'est pas les joueurs sur lesquels je vais négocier 500 000 euros, quoi. C'est pas. C'est des joueurs qui n'ont pas une énorme valeur marchande. Oh, allez, on a 27 millions, hein, donc on n'a pas non plus des finances énormes. Donc forcément, on fait attention à notre argent, à nos sous. Montes, voilà, on a. Ouais, même lui, Montes, vous voyez que c'est 18, 14 à 22 millions. Hein. Bon, lui, je pense qu'on peut l'avoir pour moins que ça, mais quand même. Hein. Voilà, Veretout, il y a une offre d'Arsenal qui a été refusée, c'est très cher. Mila, un peu plus abordable, déjà, Luis Mila. Exposito, c'est 16-23 millions, donc lui aussi, c'est plutôt un petit peu plus abordable que les autres. Voilà, après, c'est toujours pareil, c'est le talent. Hein. Arambari, c'est un joueur qui est déjà pris pour être titulaire, d'autres, c'est un peu plus jeune. Gonzalo Villar, ça va être beaucoup moins cher, mais forcément moins prêt, beaucoup moins prêt. Un joueur qu'il faudra façonner, hein, on le sait, mais c'est aussi une opportunité de marché. Et Seko Fofana qui m'intéresse beaucoup, bah, pareil, c'est extrêmement cher. Hein, voilà, c'est extrêmement cher, donc si on le veut, faut vraiment faut être patient, quoi. Le petit Enzo Fernandez qui est pas mal physiquement quand même. Hein. Physiquement, mentalement, il est très complet. Au niveau de ses stats aussi, de technique défensive, ouais, ça c'est un joueur que j'avais repéré qui est super complet, le petit, donc... Donc il est intéressant. Ça pourrait être la solution au milieu de terrain. Ça pourrait être le petit Enzo Fernandez. Hein. Ça pourrait être la vraie solution au milieu de terrain. Un joueur super complet. 20 ans. Il coûte pas très cher. Oui, dans un premier temps, peut-être que ça va être un peu compliqué dans mon milieu de terrain. Mais ça me permettrait de faire un achat d'un joueur qui soit sur le côté droit. Remplaçant. En plus, on veut plutôt un remplaçant parce que le titulaire... c'est Joaquin et on le sait, il fera pas la saison entière. Enfin, on le sait, il va décliner physiquement tout ça au fur et à mesure de la saison. Donc, il faudra l'accompagner avec un joueur qui rentrera souvent. Ça pourrait être De Fritos d'ailleurs. Mais ouais, je pense qu'on va devoir se focaliser sur un joueur un peu plus jeune à en devenir au milieu de terrain qui coûte moins cher, quitte à mettre le petit Rodriguez titulaire, hein, qui a que 26 ans, qui est argentin aussi, qui est pas mal, hein, je l'ai fait jouer sur quelques matchs, il est rentré en cours de jeu et franchement je l'ai trouvé intéressant. Donc Carvalho, si lui il peut avoir une porte de sortie, pourquoi pas, ça pourrait me permettre de récupérer des sous. Rodriguez pourrait faire le travail et on aurait du coup pourquoi pas ce petit Enzo Fernandez au milieu de terrain, avec peut-être un Guardado que je garderai au cas où pour l'équipe B. Et ça pourrait tourner comme ça, ouais, sans aucun problème, je pense. On pourrait envisager ce genre de choses. Bon, le match face à la Roma, on va pas le disputer. J'en ai déjà un petit peu trop disputé des matchs. Je commence à avoir fait le tour. Voilà, on perd au tir au but. Bon,
Voilà, les matchs amicaux, j'en ai fait 3 en tout, donc ça commence à faire un peu beaucoup pour moi. On en a un peu marre de les faire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bilan. Donc on a forcément récupéré un petit peu d'argent normalement. Voilà, on est à 30 millions d'euros du coup grâce à la coupe d'avant-saison. Donc ça c'est plutôt positif. On a des entraînements à faire. Bon, ça je les ferai en off très certainement. Et au niveau des rapports, Montoya est parti et on a les rapports des autres joueurs. Donc c'est pas mal. Allez, on va aller les checker, on va aller regarder ça. Donc bon, les très jeunes, Méré qui s'est fait prêter à Clermont. Je le voyais pas si bas en note, Méré, vous voyez. Méré qui a un gros potentiel et il se retrouve à 24 ans à 72. Ce qui est pas, il est prêté à Clermont, donc c'est pas non plus une trajectoire incroyable pour lui. Ok, bon ben voilà, vous avez l'ensemble des joueurs du coup qui sont évalués. Donc voilà, Julian Alvarez qui baisserait une bonne opportunité à prendre libre si il n'est pas prolongé au fur et à mesure. Parce que lui, vraiment, il est énorme. Ok. Et Traoré, c'est 22-31 millions. Et lui aussi, on le sait, donc c'est un joueur physiquement exceptionnel. Exceptionnel, un joueur, un bodybuilder. Vous voyez son gabarit, de toute façon, au-dessus de ma tête, il est stock comme c'est pas possible. Mais c'est un joueur dans la finition qui est exécrable, hein, 64 de finition. Donc il faudrait le faire travailler dans ce sens-là, dans la frappe, dans les décisions. Ce serait voilà, après un joueur sur le côté qui viendrait prendre de vitesse n'importe qui. Dites-moi si ça vous botte, voilà, pour le poste d'ailier droit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me positionne sur un Adama Traoré? Est-ce que je me positionne sur un De Frutos? Est-ce que je me rabats sur un Moussa, même si moi je suis pas trop pour le prendre, parce que c'est un joueur qui viendrait pas, je pense, à cet âge-là de Valence, de chez nous. Voilà, ou est-ce qu'on essaye absolument De Frutos, même si je pense qu'il va nous coûter cher? Voilà, c'est à vous de me dire. Pour le milieu de terrain, je pense que la bonne solution, le bon compromis, ça pourrait être Enzo Fernandez. Voilà, je pense que c'est lui qu'il faudrait qu'on aille chercher, franchement, parce qu'il va pas non plus être si cher que ça. Peut-être qu'il y a plus un échange à faire. Voilà, moi je pense que j'ai envie de me positionner sur lui. Donc oui, en termes de note générale, ça peut faire peur, ce genre de joueur-là. Mais je suis sûr qu'il pourrait faire de grosses saisons. Et qu'il pourrait très vite augmenter en plus de ça. En plus, j'adorais Kamaradza, il y a même le petit Okuoku là, qui pourrait être mis, hein, dans la transaction. Plus genre 5 millions. Ils veulent Diego Lainez. Hein. Non, pas de Lainez. Hein. Pas de Lainez, c'est mort. Il y a Rubal, il y a Rodri, il y a Juanmi. Ensuite, Juanmi qu'on va essayer de mettre plutôt dans la transaction avec les mêmes sous. 4 millions plus 3,5. Allez, moi j'accepte. Hein. 4 millions de dépenser seulement pour Enzo Fernandez. Bah, c'est quand même pas grand chose. Hein. Et Juanmi qui était un indésirable qui s'en va. Donc ça me semble être parfait. Bon, je sais que Juanmi, je crois, dans la vraie vie, il est bon. Bon, moi je fais des choix différents évidemment. On va le mettre en rotation, hein, dans un premier temps. Parce qu'on sait même pas à quel point il sera fort. Mais normalement, il a des stats super impressionnantes à son âge, à 20 ans seulement. Voilà. En plus de ça, je pense que c'est quand même assez réaliste comme arrivée. 20 000 de salaire, on va proposer. Et c'est accepté. La première recrue du mercato est bouclée. On va aller le checker de suite. Alors, le voilà. Donc, je vous l'ai dit, il est super complet, quoi. C'est impressionnant en vrai. Hein. C'est impressionnant, surtout qu'il fait 1m80, donc il est pas petit. Physiquement, défensivement, c'est encore, enfin c'est très bien. Dribble, passe, vitesse, même tir, il est pas mauvais en tir, quoi. C'est un joueur super complet. Hein. C'est impressionnant. Il est, en fait, il est extrêmement mature, quoi. Il a vraiment un profil super mature à son âge, donc bah, c'est du crack. Donc on va voir ce que ça vaut, est-ce qu'il va percer, est-ce qu'il va s'en sortir avec nous. Je le souhaite, je l'espère. Voilà, il faudra lui laisser le temps aussi de s'acclimater, et pour l'instant il est remplaçant. Voilà, pour l'instant il est remplaçant, vu qu'on n'a pas vendu certains joueurs, il reste dans le sirail, on va dire ça ainsi. Et en plus on économise du salaire, vu que on avait un joueur avec un gros salaire, hein. Parce que nos salaires, je pense que ça doit être pas mal, ça doit être Fekir, hein, celui qui a le plus gros salaire, voilà, 42 000. Faut aussi regarder un peu ça, il y a Tello qui a un gros salaire, et Carvalho quand même qui a l'un des plus gros salaires aussi. Donc c'est pour ça que s'il reçoit une offre à 20 millions, moi je l'accepte sans hésiter. Ok, bon ben on est bien pour le mercato, je vais m'arrêter là, je vais vous laisser me dire ce que vous en pensez pour le poste de milieu droit, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, ça vous fait participer comme ça pour mon mercato. Allez, je vous laisse là, j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de bisous, c'était SD, à la semaine prochaine pour la suite, tchuss.